Alors Depuis des siècles que l'entreprise existe, on parle de l'homo mercator, mais il existe aussi l'homo donator. C'est ce que va nous dire Bénédicte de Perlon. Bonjour Bonjour. Bénédicte, Bonjour Isabelle. Qui a dirigé avec d'autres collègues un livre un peu détonnant en sciences du management Recevoir pour donner relancer la dynamique du don au travail. Aux éditions Nouvelle Cité. Mmh. Alors, Bénédicte, vous êtes enseignante chercheur directrice de la pédagogie à l'ESG et vous avez fait ce, cet ouvrage, écrit cet ouvrage dans le cadre du grâce Alors, qu'est-ce qu'on appelle le don dans l'entreprise Où est-ce qu'il se cache ouais. Alors, on va, on va considérer que le don dans l'entreprise, ça va être tout ce qui est échange échange d'objets, de services, d'informations de d'engagement de, des échanges de paroles qui sortent du contrat du contrat très factuel du tout travail prescrit en exactement voilà la différence entre le travail prescrit et le travail réel eh bien cette part de don c'est la différence entre les deux c'est tout ce que le, le collaborateur va offrir en plus de ce qui lui a été demandé et alors dans cet ouvrage vous faites une première observation c'est que ce don il n'est pas vraiment euh, vu souvent ouais la plupart du temps même il est euh... Il disparaît des, ouais. des, des, des compteurs des managers qui euh, limitent leur travail à des prescriptions, à des tableaux de bord. finalement, ce sont plus des managers, ce sont des planificateurs. et nous, notre, euh, notre regard, c'est de dire bien un manager, certes, il est planificateur, mais il est aussi, il doit être aussi dans un rôle de, 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 de en capacité de voir et d'observer, de reconnaître, de chausser les lunettes pour voir tout ce qui est tout ce que leur, les équipes ont donné en plus de tout ce qu'il a prescrit. Alors en ça, vous vous inscrivez dans, le, dans les, les travaux de Mos oui. avec ce fameux cycle oui. donner, recevoir, rendre. Oui. Et vous vous insistez beaucoup sur la notion de savoir recevoir. Oui, absolument. Le donner, recevoir, rendre. On, on a même envie de dire, il faut rajouter recevoir à nouveau. Euh, et cette étape du recevoir, elle est non seulement euh, très importante, évidemment, mais elle est même euh, névralgique. Et on a tendance étonnamment à l'oublier. D'ailleurs, l'expression donner et rendre est mmh. emblématique de, mmh. de, de, de cet oubli. Mmh. Euh, et, et ce que l'on a détecté, c'est que finalement, euh, euh, voir les dons, voir les contre-dons dans le monde du travail, comme dans le monde de, 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 de tous les jours, hein, c'est facile. Mais. Euh, Finalement, cette dynamique, elle ne sera nourrie et entretenue que si on est capable de se focaliser et de regarder état, ce, ce, ce moment si important qui est le recevoir. Alors, le recevoir, ça va se traduire par quoi Par euh, félici des félicitations, un merci, euh, ouais. c'est ça Alors, tout ce qui va être merci, félicitations, gratitude, mmh. tout ça, ça va être la conséquence du mmh. recevoir. Finalement, le recevoir, c'est quoi C'est d'abord apprendre à voir mmh. les dons. Parce mmh. que quelquefois, euh, et même très souvent, dans les situations un peu conflictuelles, on se rend compte que le manager, le collaborateur, le salarié, ils ont beaucoup donné. Ils se sont donnés, comme le langage courant le dit. Mmh. Et en fait, ces dons-là n'ont pas été vus. Donc la première étape, c'est de voir. Mais voir, ça suffit pas, parce que un manager ou un collaborateur peut voir le don et puis considérer que c'est normal et ça. que c'est un indu. Voilà. Et donc la deuxième étape, c'est de se les approprier ces dons comme de vrais dons. Comme des cadeaux, finalement, comme des choses en plus de ce qui était prescrit. Et à ce moment-là, à partir du moment où on comprend que ben, c'est du plus, c'est du don, c'est du cadeau, que ce n'était pas obligatoire que celui qui est en face de nous n était libre de le faire ou de ne pas le faire et qu'il a décidé de le faire, à ce moment-là, on est dans la gratitude et on est prêt à redonner. Voilà. Et alors, vous expliquez, parce qu'il y a plusieurs études de cas que vous avez oui. décortiquées, ce qui est très intéressant, justement, vous expliquez que si on ne voit pas ce don, si. On, on va vers une frustration, enfin je ne sais pas comment dire, une, oui, une frustration, un, dé, un, un découragement oui, des, un, des un, collaborateurs qui ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus. Oui, un ça? sentiment d'ingratitude. En fait. oui. hein, Et ouais. ça, c'est vrai pour tout le monde, mmh. euh, aussi bien même le, 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 le patron. Oui, que, euh, ça peut marcher dans les deux ah, sens. Ça marche dans les deux sens. Le, le cas du collaborateur qui, qui va se donner, qui va faire des heures supplémentaires, qui va travailler tard pour, pour faire un beau travail, pour remettre et qui, qui voit que son manager considère que c'est normal, et il n'y a même pas un merci. Le merci, c'est juste la base, mais qui a même pas une reconnaissance, il se dit, bah, le coup d'après, je ferai juste le minimum. Et l'inverse, c'est pour... voilà. vrai. vrai. Mmh. Euh, combien de, de patrons disent, mais je me donne pour mes équipes, mmh. et elles ne le voient pas mmh. Et mmh. il faut aussi que les équipes, elles apprennent mmh. à, à, se, à voir et à se dire qu'elles bah, ne voient pas tout, mmh. et qu'il y a probablement une part qui leur échappe. Mais que euh, le, le, le patron se donne aussi pour elle. Et vous dites cette dynamique, elle s'entretient, elle mais elle est très fragile. Oui, elle, elle est fragile. Oui. Oui. Bah, à partir du oui. moment où euh, c'est pas vu, où c'est pas reconnu, mmh. bah, tout se casse en mmh. fait. Et, et ce que nos cas est, montrent mmh. et mettent oui. en lumière, c'est que. Mmh. Souvent, euh, quand on, on, on ouvre et qu'on regarde à, calmement des situations un peu conflictuelles, mmh. parce que mmh. c'est ça, hein, on mmh. raconte à chaque mmh. fois des problèmes mmh. de management, mmh. c'est ça, qui ont été pas, enfin, vous les On misez. se rend compte que tout le monde était de bonne volonté, mmh. qu'il y a tous les acteurs à chaque mmh. fois. Il y a à chaque fois il trois parties prenantes, mmh. et à chaque fois les parties prenantes en fait euh, ont donné, euh, étaient pleines d'enthousiasme, de, 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 de niaque et que. Elles n'ont pas été capables de voir, par contre, les dons des autres. Elles ont vu mmh. leurs propres dons et donc mmh. elles le revendiquent. Et elles ne sont pas capables de se dire il bah, y a peut-être quelque chose qui m'a échappé en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu et qui pourrait euh, me faire analyser la situation un peu de travers. Mmh. Et c'est vrai que dans des situations comme on vit depuis un an très difficiles, très tendues, où on voit que les émotions remontent à la surface, que les relations humaines sont importantes, c'est certainement un enjeu de savoir cultiver cette dynamique oui. au-delà de toujours plus oui. de travail. C'est un vrai enjeu non seulement pour les managers, de le voir, je le mmh. répète, mmh. mais également d'insuffler ça comme dynamique mmh. dans, dans leurs mmh. équipes. Il y a une culture de, de, du don, c'est mmh. une vraie culture. Mmh. Hein et il faut la, la nourrir euh, le, et, et montrer qu'elle est vivante, qu'elle est fragile, mais que quand on la nourrit bien, en fait, mmh. les fruits sont énormes et euh, on, on obtient derrière l'adhésion, l'engagement. Après tous les concepts de confiance mmh. euh, réciproque, d'engagement, de mmh. Tout ça, ce sont des, des fruits de cette dynamique des dons. Et je parlais en introduction de, de l'homme mercator, mais même Adam Smith valorisait le, le lien, enfin, lien au-delà du bien, quoi. Oui. Et c'était. Euh, Déjà quelque chose qui est absolument, des premières théories hum, économiques hum, hum, a été mis en avant, mais qu'on a peut-être oublié que tous les procès. Ouais, on, a, on a, fait dire hein, à Adam voilà. Smith beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. Non, ou alors tout à fait. On, on, on a, a oublié. oublié certaines, mais il parle beaucoup de liens sociaux, ouais, absolument. Tout à fait. Et donc, on est des homo economicus, mais on est aussi des homo donator. Et l'idée, c'est pas de dissocier les deux, c'est de dire, regardons-les, objectivement, Ensemble, sans, eh bien, sans nier l'un l'autre. Merci de cette euh, interpellation tout à fait généreuse et intéressante et qui nous permet de voir l'entreprise le, autrement. Merci, merci Isabelle. Merci Bénédicte.